D'ailleurs, il n'y a pas que dans le sport qu'on se dope. Hein. Regarde les acteurs porno. Mm. Les mecs, ils se chargent au Viagra pour tenir. D'ailleurs, j'ai beau le répéter à ma femme, elle veut que je m'aligne sur leur performance. 2 heures de suite au garde à vous, c'est inhumain. Ah, mais attention à l'engrenage, hein, Francky. Hein. Ouais. Va pas bafouer ton éthique. Ah, mais moi, je suis pour un sport propre, tu sais bien. Même en cas de contre-performance. Ah bon, parce que ça arrive aussi. Jamais. 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 Attends. Faudrait que j'arrête de manger gras et que je me mette au sport, c'est ça? Bah depuis le temps que je te le dis, Francky. T'étonnes pas si un jour tu te bouches une artère. Hein. Et alors là, ça rigole pas. Paf! Infarctus du myocarde. Reconnais que t'aurais l'air con de claquer à 40 balais. T'imagines la gueule de ta femme et de tes jumelles? Oh putain, t'as raison. Tu prendras soin de ma petite famille. Bah t'es con ou quoi? Bon allez, moi je te prends en main, moi. Ce midi, je t'emmène à l'espace forme, on va faire du squash, toi et moi. Hein? Je vais te faire suer la couenne, moi, tiens. Non, mais attends, Rémi, j'ai jamais joué au squash, je vais passer pour un cake. Mais c'est pas grave, ça. L'important, c'est de transpirer, éliminer les toxines. Allez. Non, mais attends, Rémi! J'ai pas d'équipement. Mais t'occupe pas de ça, j'ai tout ce qu'il faut dans le casier. Et puis après, on ira se faire un petit jacuzzi, hein. Eh, c'est mixte. Non, attends, Rémi! Enfin, tu crois que c'est bon de sauter le repas du midi pour aller au sport? Franck. Non, mais si on allait au resto au courant. Hein, c'est bon, ça, c'est une sorte de compromis. Bon, bah, d'accord. Allez. Oh, Rémi! Oh la vache! Oh, mais qu'est-ce que tu fous, Franck? Ça fait un quart d'heure que je t'attends dans la bagnole. Non, mais je suis passé au cerf, je me commandais un petit encas, là. Mais désolé, faire du sport le ventre vide, papa. Oui, bah bon, on y va, là. Moi, j'ai réservé pour 13h. Si on arrive à la bourre, on va se faire couillonner. Allez. Tu te permets, je finis. C'est bouffé comme ça, oui. Allez, non, tu viens attends, attends, Rémi, mon petit encas. Non, mais attends, tu peux au moins le finir. Oh, mon portable, attends, j'ai oublié mon portable. Attends, j'arrive. Où est-ce qu'il est? Ah, non, non, non. Mon portable. Mais quel con, mais quel con! C'est vrai qu'on peut pas dire qu'on soit tombé sur des gentlemen. C'est de toi que je parle, Franck. Je t'emmène dans un endroit des plus selects et toi tu peux pas t'empêcher, hein. Faut que tu te chicores. Non mais attends, Rémi, on avait à peine 2 minutes de retard, puis t'as la doublette de dentiste là qui nous nargue. Ah désolé, vous êtes en retard, le cours est à nous. Ouais bah maintenant moi je suis grillé, moi l'espace forme. Obligé de rendre ma carte de membre devant tout le monde. Sans compter que je vais devoir casquer pour le bridge du mec que t'as amoché. Hein. Oh bah c'est un dentiste, hein. Il fera sûrement un prix. Oh ta gueule. Oh non. Arrête, Rémi, attends. Non, c'est bon. Je me suis dit, c'est costaud la céramique. Ouf, vache. Top! Alors, je sais que ça me regarde plus, mais je préfère te le dire quand même. Hein. Quoi? Tu sais en combien de temps tu t'es enfilé tout ça, là? Non, je sais pas. 1 minute 30, nouveau record. Tu sais que t'es un grand malade, toi. Hein. Non, mais Rémi, tu me feras pas culpabiliser, j'assume. Je te signale que les records sont faits pour être battus. Marwell. Oh yeah.